Ah là 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 là. Ah là là. Ah, on était bien parti, on était bien parti. Et je meuble toujours pendant. Ah, purée, le retour. Je meuble, hein, je meuble. Hop, excusez-moi. J'essaie de remettre la caméra comme d'habitude. Ah, salut Alexis, Alexis qui dit même pas bonjour, il dit on joue mal. T'as pas tort, t'as pas tort, t'as pas tort. Pour l'instant, vous ne voyez pas, c'est normal, mais vous m'entendez. Yo, the speed clash. On va faire un petit débrief de cette première période. Il me reste 13 minutes 44. Excusez-moi, c'est la pub. Donc la caméra, caméra. Hop. Voilà. La caméra est. C'est un sketch. Normalement, elle va réapparaître. Voilà. Donc 45e. Bah, maintenant, c'est la mi-temps. Mi-temps. Donc un partout. La France qui avait ouvert le score sur penalty. Penalty provoqué par Kylian Mbappé. Et ensuite, l'Argentine qui a égalisé sur une frappe somptueuse d'Angel Di Maria. Ma bouteille est vide. C'est génial. Alexis pour Amiens, hein, que ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu, mais il est toujours là. T'as vu, j'ai. Ah, ça, il y a des potes qui m'appellent, désolé. tant pis. On joue. On joue assez bien, mais il faut plus jouer en profondeur. Ouais, bah, pour l'instant, c'est ce qui a réussi à provoquer le penalty. Enfin, il y a eu aussi. Donc, sur le profondeur, on a cru qu'il allait avoir un deuxième penalty, mais en fait, c'était juste en dehors de la surface d'un coup franc. Et monter sur les joueurs. Mais, bah, jouer en profondeur, par exemple, sur Mbappé et Giroud, c'est la solution. Mon pote qui me rappelle encore une fois, je vais passer en mode avion. Ça continue. Parce qu'il me rappelle, il sait que c'est à 8 ans, mais il sait pas que je ferai un live. Il y a toujours un magnifique but de Di Maria. Ouais, magnifique but. Non, attendez, je décroche deux secondes. Je suis en live. Je suis en live. Sur YouTube. Voilà. Bah, c'est justement ce que je disais dans mon live. Bah, parce qu'il me demande et il regarde pas le match. Bah. La France joue bien, mais sur la fin, ça a été moins bien. Et c'est un très beau but de l'Argentine, j'ai le seum. Voilà. D'accord. Mais mon répondeur, genre, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, je crois, quand j'ai fait ce répondeur. Salut. Voilà. C'est des potes qui regardent pas le match. J'étais avec eux juste avant. J'aurais dit, ah non, moi je rentre regarder le match. Hein. Okay. On est au-dessus, il n'y a rien à craindre. On est plus rapide, plus fort. Ouais, mais ça fait un partout. Avec la vitesse de Mbappé, ouais. Franchement, ça peut provoquer quelque chose. En vrai, ça fait presque déjà 5 minutes hein, que ce live est commencé. La défense d'Argentine très faible. Ah, très faible. C'est vrai qu'ils sont en difficulté hein, dans cette première mi-temps, les Argentins. Très très compliqué. Donc je vous dis, on fera un live à 17h50. Que le match soit fini ou non. S'il y a des prolongations, on fera un live d'une dizaine de minutes en attendant les prolongations. Et puis après, bah, vers 18h30, à la fin du match. On va passer, bah, j'espère qu'on va passer. Puis s'il y a des pénalties, je pense qu'on va les vivre ensemble, je sais pas, je vais voir. Il devait avoir encore avoir un pénalty pour la France et un coup franc. Non, c'était à l'extérieur de la surface, hein, la faute sur Kylian Mbappé. Hein, la deuxième, c'était à l'extérieur de la surface. Il faudrait faire rentrer Dembélé. Ah non, non, Dembélé. Je sais pas, non, Dembélé, il a. Sur les premiers matchs, il n'a pas montré de bonnes choses. Je pense que là, cette équipe, elle se réveille bien et tout ça. Je pense qu'il faut jouer plus sur Mbappé, faire rentrer Dembélé, car Giroud est trop lent.
Bah après, Giroud, son rôle, c'est d'être devant et on lui. Pas que les Français les jouent, ouais, surtout. Mais prendre un but comme ça peu de temps avant la mi-temps, ça peut aussi démoraliser. Ça peut démoraliser. Donc, attention. Et puis surtout, ça va galvaniser les Argentins qui vont revenir peut-être avec plus de hargne et tout ça pour cette deuxième période. Donc, il faut faire attention, faire attention. Faut continuer à jouer. Ouais. Si avec sa vitesse, ouais, mais après, il est rapide, mais il fait rien. Enfin, en tout cas, sur les trois premiers matchs, il est rapide, certes, mais après, je sais pas, genre, il perdait pas mal de ballons et tout ça, donc, je sais pas, faut voir. En fonction du résultat, peut-être si on manque vraiment de jeu en profondeur et tout ça, là, on fera un gros match, ouais. Plus petite anecdote, en fait, genre. Si là, je fais de la musique, pour certains le savent. Et en gros, on a un repas, et genre, j'étais avec des potes à ce repas, et à un moment, je fais, non, bah, j'ai la wifi, je pas rentrer avec. Bah, la compo que j'avais fait une compo avec Fekir dedans, et faire sortir, bah, c'était Matuidi, la victime là, mais on pourrait faire sortir Giroud, sinon. À la place, mettre Griezmann devant, non, ou Griezmann sur un côté, et Mbappé devant. Et maintenant, parce que l'autre joueur, c'est qui de l'autre côté? C'est qui à gauche? Ah bah, c'est Matuidi, ouais. Ah. Bah, refaire Matuidi. Faut faire rentrer Thauvin. Ah, Thauvin, j'aimerais bien qu'il fasse rentrer Thauvin. Il faut jouer simple pour emmerder l'Argentine. Ouais, mais l'équipe, là pour l'instant, elle a bien. Après, faut voir en début de deuxième mi-temps ce qui se passe. Si l'Argentine revient extrêmement forte et tout ça et qu'elle nous pose des problèmes, faudra voir s'il y a quelque chose à changer. Mais pour l'instant, là, pour l'instant, là, je la sens bien, cette équipe. Non, pas Thauvin, il n'a pas joué. Ouais, ben. Moi, j'aime bien tout, je dirais, j'aime bien tout, parce que je pourrais, mais après, il a pas joué, donc faire rentrer un joueur sur un. Mais après, Umtiti, il est rentré à l'Euro 2016 en quart, et ça a été, hein. Il avait pas joué un match de l'équipe de France. Sa première sélection, c'était en quart de finale. L'Argentine ne tiendra pas en cas de prolongation. Peut-être on peut les avoir à l'usure, mais après, le problème, c'est que si on a des prolongations, ça peut nous pénaliser pour le match d'après. Si notre adversaire n'a pas trop long, ils sont déjà cramés. Ouais, on va pouvoir. Ouais, donc le match reprend dans 6 minutes 37. C'est déjà donc là. Pour, ça, on peut les avoir, on va dire, sur le physique. Sur le physique. Oh, il y a quelqu'un qui veut rentrer chez moi qui a pas ses clés. La défense est au-dessus de Messi, c'est bien. Oui, par contre, faut faire attention aux éclairs de génie comme celui de Di Maria. Parce que là, ça m'a vraiment surpris. Hein. Ils ont pas besoin de vitesse sur le but de Di Maria, c'est de la technique. Exactement. Exactement, hein, Alexis. Tout à fait d'accord, c'est de la technique. Puis, faut penser, faut frapper, faut bien la mettre et tout ça. Faut avoir la force aussi. Surtout défensivement et en rapidité, la France est meilleure. Oui, ils sont trop vieux, Messi est mort à la 110e. On espère que la France va passer hein, dans cette rencontre en quart de finale. On rencontre le vainqueur du match de ce soir hein, qui oppose l'Uruguay au Portugal. Ce serait bien genre, que ça aille hyper loin, Uruguay-Portugal, peu importe, qu'il y ait des prolongations, qu'ils soient tous cramés pour. Le quart de finale, ce serait samedi, dimanche, lundi, mardi. J'ai dit, ce serait vendredi, si je dis pas de bêtises. Le quart de finale. Mercredi, vendredi, j'ai vu. Ceci, très confiant. Bah là, je suis quand même plus confiant que depuis qu'on sait que c'est l'Argentine. Il faut que Griezmann monte au niveau de jeu. Ouais, Griezmann, il est. Pas. Je sais pas. Ou sinon, pour quelqu'un qui parlait de Fekir, faire rentrer Fekir à la place de Griezmann à l'heure de jeu, si Griezmann n'y monte pas plus, ça peut être intéressant. Après, un puissant Portugal-Uruguay ce soir, ouais. Mais ouais, c'est vrai. Le gardien de l'argent.
Le gardien de l'Argentine joue. Joue, ouais. Bah, en même temps. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Donc, pour l'instant, on commence quand même. Par contre, au niveau de la possession, je crois que c'est l'Argentine hein, qui a plus le ballon. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'Argentine hein, qui a la possession. Faut que je vérifie ça. Ah si, hein. En 16e division argentine. Ah, c'est mon daron. Mon daron, il est meilleur. Donc, j'en regarde la statistique sur la possession. Et la possession 64-36 pour l'Argentine. Bon, après, ça peut jouer aussi s'ils conservent le ballon. Ils peuvent techniquement nous mettre plus en danger, mais après. Nous, on peut jouer sur la profondeur, sur Mbappé notamment, et ça peut provoquer ça peut provoquer pas mal de solutions. Bon, le match va reprendre dans à peu près 3 minutes. On peut commencer peut-être à faire les pronos. Pronos à la fin des 90 minutes. Donc, est-ce que on peut pas se faire éliminer aujourd'hui? Ah bah non, non, on va souffrir dès qu'il fera rentrer à Guerrero. S'il fait rentrer Agüero. Ouais, c'est vrai, il fait pas jouer Agüero. C'est étrange. Étrange, j'avais même pas pensé. C'est notre Coupe du Monde qui commence. Ouais, on va dire ça, on va dire ça. Il faut jouer plus simple pour qu'on enfin, 3 en France, 2 en France. Moi, je dirais ah, soit 1-1, soit 2-1. Moi, je pense qu'il peut y avoir des prolongations. Alors, je sais pas, non. Ah, ça dépend. Non, je dirais les 2-1 pour l'équipe de France. À 17h50, on se retrouve, on est qualifié. 3-2 pour Clément, 3-1 pour The Speed Clash, 2-1 pour Mélie, 2-1 pour moi. On va voir s'il y a quelqu'un qui aura trouvé. Donc on se retrouvera hein, dans bah, 50 minutes à peu près, parce que le match va prendre 3 minutes, si on compte 48 minutes, parce que 45 plus 3, ouais, 50 minutes. Attention, réveil de Messi. Ouais, Messi dort, ouais. C'est vrai, mais pour l'instant, là, aussi la France arrive à défendre sur lui, justement, à l'endormir. Donc, c'est bien aussi. Mais bon. À plus, moi, jamais. Alors, même si. Ah, si on perd, même, j'espère pas, mais même si on perd, on se retrouve à 17h50. Dans tous les cas, on se retrouve à 17h50. Qu'on soit qualifié, qu'on soit éliminé ou qu'on attende les prolongs. Si on attend les prolongs, du coup, il y aura 10 minutes, on fera 10 minutes de live. Puis après, on fera un live à 18h30. S'il y a des prolongs, donc on fait un live 17h50 après 18h30. S'il n'y a pas de prolongs, bah juste 17h50. Puis après, je pense que je reprends live. Ou 2-2 jusqu'au pénalty et 5-4 pour la France. T'avais pas dit genre un autre pronom sinon? Ah, t'avais dit 3 en France. Donc 3-1 ou 2-2? Faut voir, faut voir. Imagine tous les Français suicides. Si on est éliminé, tu casses ta télé. Nul, 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 nul. Non, je vais pas péter ma télé. Ah non, non, non. Je gagne pas de l'argent en pariant sur Benevento, moi. Le match va reprendre dans quelques secondes. Donc, je pense que là, la mi-temps, en fait, elle va durer un petit peu plus. Un petit peu plus. Que 15 minutes. Les deux. Les deux, comme ça. Le match va pas tarder à reprendre. Les joueurs rentrent sur la pelouse. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, ouais, j'ai arrêté parce qu'après, ça va sonner. C'est pas encore commencé, donc j'y vais, ouais. Ça va reprendre, les Argentins sont en train de rentrer. Ça va être la conf, enfin l'interview de Deschamps. Donc je vous dis à tout à l'heure, à 17h50, sur cette chaîne. Salut à tous, bye!